Salut tout le monde, pour Mob aussi c'est la rentrée et fini le salon, on emménage dans un vrai studio. Et on est super contents, ça nous fait un lieu pour nos tournages, nos interviews et nos montages. Et ça nous permet de mettre la barre plus haut pour cette deuxième saison du Média, parce que vu l'actu, on en a bien besoin. Déjà 43 jours après le second tour des élections législatives et Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de premier ou de première ministre. En écartant lundi l'option Castex, Emmanuel Macron a fait basculer la crise politique dans une controverse institutionnelle. Pas de premier ministre donc, mais un média dédié à la démocratie, c'est déjà pas mal. Depuis bientôt un an maintenant, on vous propose des vidéos et infographies. On a aussi bien parlé des institutions ou des élections que de démocratie participative. On a même lancé Filmocratie, une rubrique qui utilise le cinéma, pour parler de tout ça. Et au menu de la rentrée, on va continuer à vous parler de l'actualité politique, mais on voudrait vraiment déployer tout notre volet sur la démocratie à l'école. D'autant que des initiatives comme le lycée autogéré de Paris sont en train de disparaître. On a aussi besoin d'aller là où on passe toutes et tous la plupart de nos journées, au travail, lieu incontournable des décisions collectives. Et ça tombe bien, on s'est installé dans un tiers-lieu où près de 250 structures vont devoir cohabiter et co-construire leur lieu de travail. On vous en reparle bientôt. Mais avant ça, on voudrait s'améliorer, et pour ça on a besoin de vous, de votre retour sur notre média. Un rapide questionnaire sur vos goûts et vos attentes pour qu'on reparte sur de bonnes bases, et promis, ça prend que 5 minutes, j'ai chronométré. Vous trouverez le lien en bio ou en description de la vidéo. Et si jamais vous voulez plus vous investir dans le média, journaliste, vidéaste, infographiste, ou même citoyenne ou citoyen, nous donner des idées ou venir bosser avec nous, on est preneurs. N'hésitez pas à nous contacter sur une de nos plateformes pour participer. Et à bientôt sur Mob pour plus d'infos démocratiques.